Yo les bros j'espère que vous allez bien, c'est Fitz, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Dragon Ball Legends Aujourd'hui les gars on va aller tester le Goku bleu euh, du step-up Goku et Piccolo Vous allez voir que c'est un monstre, clairement ce personnage c'est un réel coup de coeur de mon côté C'est un pivot Saiyan, alors en fait je dis pivot Saiyan c'est un petit peu un, un abus de langage Parce qu'en vrai c'est pas juste un pivot Saiyan, c'est un pivot... Euh... Que vous pouvez jouer dans absolument toutes vos teams. D'ailleurs, qui a un énorme bonus pivot puisque celui-ci monte à 40%. Mais en réalité, si tu veux vraiment profiter du Goku, il faut le jouer soit avec des Saiyens soit avec des personnages Saga Z Saiyan. Alors, en vrai, au niveau des Saga Z Saiyan, à part des Saiyens il n'y a pas grand-chose. Hein. Il y a Piccolo, le nouveau, et puis c'est à peu près tout. Et sinon, après, bah, vous le jouez en Saiyan, quoi Donc, pour profiter vraiment du personnage, je le considère comme un pivot Saiyan actuellement. A noter que c'est également un très bon pivot Saga Z Saiyan. Mais euh, bon, bah, j'ai pas le Piccolo, donc euh, je peux pas vous choquer ça, euh, tout simplement. Malheureusement, hein, je kifferais vraiment le Piccolo. Je suis vraiment dégoûté de pas l'avoir, vraiment, vraiment, vraiment. Alors, au niveau du personnage, bon, moi, je l'ai à cette étoile, donc forcément, même si c'est un personnage type assistance, au final, vu que je l'ai à cette étoile, euh, au niveau des stats, il est complètement euh, violent, quoi. On va pas se mentir. Mais à, en termes d'étoiles équivalentes, c'est pas un personnage qui va se reposer sur ses stats. Il a des stats équilibré mais c'est pas spécialement bon quoi genre c'est juste équilibré et euh, ça fera le taf euh, parce que c'est son bonus euh, pivot son bonus d'assistance qui va être intéressant donc moi ici en l'occurrence bah cette étoile il y a quand même des bonnes stats de façon la méta actuellement elle est brida à 14 étoiles donc euh, vous fiez pas spécialement à ça pour le showcase mais vous pouvez voir ce que ça donne quand même là imaginez par rapport à des unités euh, classiques 3-4 étoiles euh, au niveau des stats c'est plus que correct hein, honnêtement on ramène une strike une kiko bien entendu sur le personnage alors pour euh, pour euh, là vu qu'il y a beaucoup de persos hein, je vous fais les analyses des personnages un petit peu au début de vidéo rapidement, et puis je vous en parlerai de façon dans la game. Donc, ce qui va être intéressant également sur le perso, c'est euh, son ulti qui fait un Kamehameha ondulé qui soigne de 20% euh, les alliés au moment où vous lancez l'ulti. Donc, ça c'est quelque chose d'assez original. Hein. On peut soigner les alliés avec l'ultime de Goku, donc euh, pourquoi pas. Il y a également la carte verte qui lui permet de se soigner, lui de réduire la durée de mise en temps des alliés. À noter que le soin ne marche qu'une fois, par contre, tout le reste des bonus euh, marche tout le temps. Hein. Il y en a plus de 20% de dégâts sur la verte, c'est quand même pas mal pendant 20 secondes. Le main augmente de 20% les dégâts de tous les alliés, donc lui-même et les autres, et tire l'ulti. Et ce qui va être super intéressant en fait avec ce Goku, c'est ça. Euh, Après une attaque ennemie, inflige à l'adversaire un malus de stat augmentant de 20%. Alors ça marche que sur l'adversaire en cours, hein, pas sur la team entière. Ce qui va être super intéressant, c'est le deuxième effet. Lorsque vous vous repliez, les effets suivants s'activent. Si vous avez 3 cartes ou moins, tire une carte. Donc ça déjà, c'est bien. Et en plus de ça, augmente de 10% les dégâts infligés par les alliés. Annulation impossible. Jusqu'à un maximum de 40%. Ça, c'est extrêmement, extrêmement fort. Parce qu'en fait, si vous faites 4 switches avec le personnage, vous avez un bonus pivot de 40% qui reste sans limite de temps et qui n'est pas dispellable. Donc c'est-à-dire que si le Goku est mort, vous avez encore les 40%. C'est indispellable, ça marche en lui-même, donc au final il se donne plus 40% de dégâts à lui-même grâce à ce passif-là. Et euh, pour vous donner l'idée, on a des unités comme Badak DBS, Lorsqu'il meurt, il donne plus 20-30% de dégâts. Là, c'est là c'est mieux. Et il a même pas besoin de mourir. C'est super et c'est pas dispellable en plus. C'est super super fort. Ce passif 2, il est tout simplement incroyable. Et de toute façon, vous allez vous en rendre compte hein, dans la vidéo. Vous allez voir les unités que je vais jouer avec. Vont taper super fort. Ça va être vraiment... C'est monstrueux. Hein, lorsque, allez. On va dire lorsque t'as 2-3 switches, ça commence à se voir. Mais lorsque t'as 4 switches, forcément, c'est énervé. Le passif 1 est également intéressant. On a plus 50% de dégâts physiques pendant 20 secondes. Et si jamais on a un autre avec nous, on a également 50% de dégâts d'énergie pendant 20 secondes lors d'une entrée en scène. Donc c'est très bon. Et en plus de ça, on a de la vitesse de récupération de TP et de la vitesse de récupération de ki. Donc forcément, bah, c'est tout simplement monstrueux. Là, vous allez voir déjà dans, un, dans, une, dans la méta à 14 étoiles. Il fait pas tâche du tout par rapport aux autres unités, alors que c'est un type assistance. Mais surtout, vous allez voir après, euh, je pense, lorsqu'on reviendra à la méta classique. Moi qui l'ai à 7 étoiles, il va être super, super impactant. Donc on va le jouer dans cette team-là. Et euh, mention spéciale au Goku Mamut, hein, le Goku Mammouth, dans cette team là avec 40% de dégâts pivot. Euh, il arrache. Il arrache vraiment. Alors par contre, défensivement la team, c'est pas incroyable. On est parti pour les games avec le Goku euh, Kamame ondulé. Let's go. On est parti les mecs. J'ai fait quelques games avant. À chaque fois je me fais rising rush le, le Goku bleu. Du coup, je peux pas vraiment vous montrer sa puissance. Euh, on va essayer ici de... De s'en sortir face à cette team Regen. Alors le bout n'est pas Zenkai. Honnêtement, c'est pas dit que... Euh, je, je vais prendre... Je pense que je vais prendre Goku Mammut ici. Je pense que je vais prendre Goku Mammut ici. C'est pas dit qu'il y ait le Nile X, euh, sachant que... A mon avis il pense que je vais prendre Jubai. Goku Mammut c'est un personnage qu'on voit plus trop récemment. Et du coup euh, il est un peu moins dans l'esprit des gens. Sauf que en fait bah, il, il est super fort. Il est vraiment super fort Goku Mammut. Euh, il est juste un peu lent comme personnage mais du coup le bonus pivot euh, du, de l'autre Goku lui permet un peu de... Bah, dans un premier temps, de combler cette euh, lenteur. Et après de la compenser en tout cas Et après surtout bah, une fois qu'il a ses bonus de dégâts Là ça fait juste trop mal Bon par contre pas de chance Il est, euh, il est bel et bien là finalement Alors ceci dit pas de chance oui non hein, Parce qu'on a quand même un, un bonus de dégâts contre les cyborgs Avec euh, Avec le goku mammouth euh, Donc il y a le sel qui euh, Qui va se faire arracher d'un autre côté Bon là on va forcément prendre un petit peu de dégâts quand même. Je pense que voilà je vais. Je vais éviter de tout prendre à un seul et même endroit, j'aime pas trop ça. Ok on touche et là vous allez pouvoir voir déjà les dégâts un petit peu du Goku. Sachant qu'il n'y a euh, pas énormément de, euh, de bonus 7 à ce moment-là. Le main qui donne 20% de dégâts sur tout le monde. Ah il a pas fait le pas de côté, bien joué lui. Donc là on va un peu prendre des dégâts quand même. Je pense que l'aspect je la prendrais sur Goku. Plutôt sur Goku et CJ4 je parle. Ouais. Alors après on a la verte hein, pour se soigner sur le. Ah là là, j'aurais tellement pas dû faire le pas de côté, bon c'est pas grave, on a le mammouth là pour venir euh, pour venir tanker sur Rising Rush. En espérant qu'on le tanque. Mais normalement ça devrait le faire je pense. Mamout est, est quand même bien tanky comme personnage, comme tu peux le voir ici. Avec l'aspect je pense qu'il m'aurait tué hein. Là je sais pas. Y'a moyen qu'il me tue quand même, hein, on va voir. Non, il me tue pas. Super. Super, super, super. Le soin sur le Goku Mammouth. On part sur l'ulti. Bon, il se dégâts contre les cyborgs, donc il y a moyen qu'on fasse un petit peu de dégâts là quand même. Même si je crois pas qu'on a tous les bonus encore. Ouais. Ouais, 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 ouais. Il s'est fait découper en deux le, le sel clairement. Donc là à partir sur la verse. Donc nous on n'a pas encore Rising Rush. Hein. Nous on n'a pas encore Rising Rush. Et ça ça fait une énorme 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 différence. Forcément. Vas-y on envoie la sauce là avec Goku SSJ4. Donc là on, a, on est à 30% bonus pivot. Donc sur un Goku SSJ4 c'est plutôt euh, c'est plutôt fort. Forcément. My god. What C'est très très étrange qu'il ait pas enchaîné derrière ça. On Repart sur le Goku et donc là ça y est, on a les 40% bonus pivot. Donc autant te dire que... Et d'ailleurs bonus pivot, mais c'est également sur lui, hein. encore une fois je le rappelle. My god. Donc là vous allez voir ses dégâts face à celle. On aurait pu mettre Goku Mamout, mais euh, après je me retrouve face à face à Nail et ça me plaît pas trop honnêtement. J'ai pas trop envie de me retrouver face à Nail. qu'on tue le sel. Parfait. Parfait. Rising Rush. Et c'est la win. Bon, on n'avait pas Rising Rush quand Je l'avais gardé pendant un petit moment parce que j'espérais pouvoir tuer avec Goku et SJ4 sur le combo ultime Main. Vous avez vu, enfin, Main euh, ultime euh, sp. Vous avez vu, ça fait quand même super mal. Hein. Ça fait quand même super, super mal pour le coup. Euh, la. la. Euh, comment dire D'ailleurs, j'y pense, il s'appelle Stop RR le mec et on est d'accord qu'il m'a Rising Rush sur Goku Mamout. Hein. Oui, il m'a complètement Rising Rush en premier sur Goku Mamout. Bon, ça c'est toujours pareil. c'est... C'est toujours un sacré, euh, un sacré délire ça. Mais du coup oui, euh, vous avez vu au niveau des dégâts ça rigole pas trop parce que le baby on l'a éclaté en deux. Euh, le Cell on l'a tué, euh... tué de midlife à zéro en fait avec le Goku. C'est quand même plutôt pas mal hein, de réussir à faire ça sur Cell en team regen qui a quand même pas mal de cap z en plus de ça. Euh, donc euh, ça, ça note bien quand même, c'est un personnage d'assistance tu vois. Et, à, et toi l'égal il peut réussir à mettre un midlife. Donc c'est quand même vraiment 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 bien. Bah, après ça c'est quand il y a tous les bonus accumulés bien entendu. On part sur une nouvelle game. Nouvelle partie, les mecs. On est face à une team Saiyan. Il euh, y a le Raditz. Donc là, on va quand même plutôt prendre un éventuellement un violet pour cover. Sait-on jamais. J'ai bien envie de prendre Goku Mahoud ici. À mon avis, il y aura le nouveau Goku. Après, il y aura sûrement Goku et SJ4. Même si c'est pas sûr qu'il y soit. Ou voilà, alors je prends Jubai. Je vais plutôt prendre Jubai ici. Il y a moins de chances qu'il y ait Goku Zenkai que le Goku et SJ4, je pense. Parce que le Goku est Zenkai 1. S'il était Zenkai 6, ouais, mais Zenkai 1, je pense pas. on va partir comme ça. Ok, on va essayer de, de bien profiter du Goku. Alors vraiment, 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 le but, c'est euh, d'essayer de switch. Au, au moins, essayer de le faire rentrer en scène 3 fois. Donc c'est-à-dire la fois de début. La première fois, une autre fois, et au moins une autre fois après. Ça peut être pour cover sur le Rising Rush, peu importe. Mais au moins que vous ayez les 30% de set de dégâts. C'est vraiment à partir de là, je pense que ça devient vraiment rentable, entre guillemets. Ok donc au niveau du pic euh, j'y étais pas là hein. J'y étais mais alors pas du tout au niveau du pic même On est face à Raditz du coup en premier On gagne le Clash C'est très très bien de gagner le Clash ici Si cover pas ici on pourra mettre Goku et 4 Dommage Goku et 4 euh, Avec la petite spéciale sur Raditz là ça aurait fait super mal Pff, ouah, ce qu'on a mis déjà Ce qu'on a mis déjà Ah ça fait mal hein ça, la team a fait mal, hein. Enfin, offensivement, la team. On s'en est un peu moins rendu compte face à euh, la team Regen. Parce que Regen, c'est quand même bien tanky. Mais la team, moi, je vous le dis, a fait mal. Hein. Elle fait très, très mal. Et là, vous avez vu, regardez, Le fait de piocher une carte, c'est trop fort. Le fait de piocher une carte, c'est beaucoup, beaucoup trop fort. Sur le, sur le switch, si vous avez pas toutes les cartes. Ça, c'est. On s'en rend pas compte, mais c'est vraiment super, super fort. Hein. Hop. Ça me permet d'avoir le Rising Rush ici, sinon je l'aurais pas eu. Et voilà. Votre adversaire a abandonné le combat, tout simplement. Super fort. Nouvelle partie, cette fois-ci on est face à une team euh, cyborg. Donc on a quand même bien envie de prendre Goku Mammut. Mais en même temps, prendre Goku Mammut pour se retrouver éventuellement euh... face à aucun personnage bleu, ça peut être embêtant. Parce qu'il y aura la C21, il y aura, y, aura y aura Cell, c'est sûr. Il y aura la C21, il y aura Cell, et peut-être il y aura C13. Je pense que je vais plutôt prendre deux bleus ici. Je vais plutôt prendre deux bleus, ouais. Alors d'ailleurs, bon, je vous en ai pas parlé, hein, mais vous avez vu, les nouvelles interfaces une nouvelle interface en PVP, elle est vraiment super cool, euh, l'interface, on voit la guilde du, du, de l'adversaire, hein. enfin elle est bien, c'est propre, c'est propre, de toute façon, globalement, la mise à jour est, est plutôt propre au niveau des, des interfaces, etc., même pour le shop, c'est propre ce qu'ils ont fait, mais, bon, on pourra toujours déplorer le fait qu'il manque de contenu PVE, c'est surtout au niveau PVE, il n'y a rien à faire dans le jeu, il n'y a vraiment rien à faire dans le jeu au niveau PVE, c'est incroyable, bref, ok, donc le double bleu ici, c'est pas un mauvais choix, hein, le double bleu ici, c'est pas du tout un mauvais choix, je pense. Vu il n'y a pas de vert. On met un peu de pression avec Jubai. On se transforme déjà. Hein. Et on balance une première spé. On va pouvoir repartir sur le. Oh là là, les dégâts, bordel! Non J'ai pas fait la pression. Putain là je prends des dégâts pour rien. C'est 21 qui va arriver et tout. Après ça va, on a la réduction. Heureusement parce que sinon on aurait pris vraiment cher là. Ah normal, on n'est pas transfo donc... Euh, défensivement c'est pas ça. Hein. Donc là il y a déjà eu deux apparitions du Goku. Si je ne dis pas de bêtises. Donc on a plus 20% de bonus dégâts sur la team. Ce qui est pas mal. Et là, je pense qu'on va partir tous les jours sur l'ulti pour aller chercher 20% de bonus dégâts supplémentaires. Troisième apparition, donc au switch, sur un re 10%, donc 30% sur la team. Et en plus de ça, on swine grâce à l'ulti. Et ça met des bons dégâts. Ça permet également de récupérer du ki d'ailleurs. C'est vrai que j'y pense pas, mais ça permet de récupérer du ki aussi. Là, si le Rising Rush doit tomber, honnêtement, ça me va. Sur du je suis pas sûr qu'il me tue là. Il m'a mis très peu de malus. Et j'ai la réduction aussi, il me tuera quand même, je pense. On a. En fait. Ouais, bah là on a gagné. Là on a clairement gagné. En fait, le truc c'est qu'on a. Par contre, là j'ai mis play de ouf. Waouh! Alors là, les gars, elle va faire mal celle-ci. Elle va faire très très mal celle-ci parce que là on a le bonus pivot plus le bonus. On avait également le bonus du, du main de Goku. Là, ça va Rising Rush en face. Bon là c'est 21 qui me ouvre en deux J'ai vraiment fait de la merde à pas tuer A euh... pas tuer le, le sel Je crois que je pouvais tuer oh, là c'est 21 je sais plus après le counter Terrible Ok ça tape direct Bon ça va est... il spam les vertes avec ses 21 Mais elle est full life Donc certes à prendre des bonus dégâts Mais on a le rising rush pour la tuer quand Le cas échéant ça va sûrement Rising Rush Dubai. Moi, ce que je veux, c'est pas me faire Rising Rush sur le, euh, sur le Goku, c'est tout. Et là, bah, forcément, avec tous les bonus pivots qu'on a, ça y est, on fait mal. Là, ça y est, on fait très très mal à ce moment-là. Donc, vous pouvez y aller et envoyer de la sauce. Clairement, ça fera du. Ça fera du gros dégât, toujours. Il va sûrement utiliser celle-là. De manière assez logique. Alors, on peut encore se soigner avec le Goku, puisqu'on n'a pas fait de verte sur le Goku. Euh... Bon bah c'est bien, au moins c'est donnant-donnant de de ce niveau-là. Est-ce que Juba, il va mourir là-dessus Ok, on a fait consommer la TP au moins. Ça me va. Parfait. Et là attention, hein, faut pas se faire avoir dans ce genre de moment. Et on y va. On tabasse la C21 avec le Goku. Normalement on devrait réussir à piocher une carte, je pense, à temps. Pour terminer. Impeccable. Troisième victoire avec l'équipe. Comme vous voyez ici, bon bah, ça tourne. Ça tourne quand même plus. Putain, cette pause de victoire, elle est magnifique. Elle est magnifique cette pause de victoire, honnêtement. Donc voici pour le Goku hein, et, et la team. Vous avez vu ça tourne quand même plutôt bien, honnêtement, je pense, l'équipe. C'est super offensif. Vraiment c'est super super offensif. Et il euh, y a très certainement des teams où il sera meilleur. Le Goku, bon, déjà là, c'est vraiment une team full Goku que je te montre. Ça permet de revoir un peu des unités qu'on ne voit pas euh, tant que ça, spécialement actuellement le Dubai, le Goku Mammouth notamment. Et, euh, et après, bon, bien entendu, on peut le jouer dans notre équipe. On peut le jouer en team Saiyan classique. Hein, il a une cap Z très puissante pour la team Saiyan. On peut le jouer en euh, team euh, Saga Saiyan si vous avez le Piccolo. Et là, ça doit être très fort, mais il faut avoir le Piccolo. Je me fais du mal, je me fais du mal vraiment parce que je kifferais d'avoir le Piccolo, mais bon, malheureusement. Il n'est pas dans la box, mais du coup, il ouais, y a également d'autres possibilités pour ce Goku qui sont clairement à prendre en compte. J'espère que cette vidéo vous aura plu, les gars. C'est le cas, comme d'hab, parce qu'on se retrouve pour laisser le pouce bleu, vous abonner, c'est pas encore fait. Merci à tous ceux qui soutiennent la chaîne, et notamment sur Utip. Hein, vous êtes quelques-uns encore à aller sur YouTube tout le temps, mater des pubs. Merci beaucoup, mine de rien. Ça me permet un peu de compléter les invocations, donc ça fait extrêmement plaisir. Sur ce, moi je vous dis à très bientôt. Portez bien, les frérots, bye tout le monde. Ciao!